La littérature a-t-elle quelque chose à nous apprendre de ce qui loge la violence au cœur de notre rapport à la loi? Et si c'est le cas, que nous apprend-elle? À nous en accommoder, à vivre avec, à la surmonter, à lui résister? À supposer que ces questions interrogent la relation entre droit et littérature, elles appellent aussitôt un troisième terme qui vient à l'idée, sans qu'on sache à l'avance quel statut accorder à ce qu'il désigne, celui d'une discipline, d'un savoir ou d'un ordre du discours, la philosophie. Celle-ci, d'abord, a fait depuis longtemps de l'un aussi bien que de l'autre son objet. Il existe une philosophie de la littérature comme il existe une philosophie du droit. Mais surtout, faisant de l'origine de la loi l'une de ses questions récurrentes, elle n'a cessé d'en appeler à des fictions pour tenter de répondre à son énigme et de comprendre aussi bien ce que l'institution de la loi pouvait avoir de violente que les violences qu'elle avait à charge de contenir. Pour ne citer que deux exemples, il en va ainsi du récit que propose Rousseau de la sortie de l'état de nature dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Et il en va de même de la façon dont Freud rend compte de l'origine de la culpabilité, de l'interdit et de la loi, de toutes nos institutions morales et juridiques, donc dans Totem et Tabou, avec son histoire de la horde primitive et du meurtre du père. Comment déterminer dès lors le statut de ces récits? Peuvent-ils être tenus pour littéraires? Et qui est à même d'en juger? À quel tribunal doivent-ils se soumettre pour qu'un verdict soit rendu à leur encontre? Celui des juristes, celui des théoriciens de la littérature, celui des philosophes ou celui des psychanalystes? Il existe, à n'en pas douter, au moins deux façons de penser la relation entre droit et littérature. La première, extrinsèque, concerne les nouvelles, romans ou drames qui ont la rigueur de la loi, de l'appareil ou de la machine judiciaire pour objet, qui font en d'autres termes du greffe, du prétoire, du tribunal et des procès, avec leur cortège d'interrogatoires, de témoignages, de réquisitoires et de verdicts, leur sujet. Comme on le sait, la description qu'implique une telle relation peut alors se vouloir aussi bien réaliste aux frontières d'une enquête sociologique qu'elle peut se montrer fantasmatique, cauchemardesque ou hallucinatoire. Dans ce second cas de figure, ce n'est plus seulement l'appareil judiciaire qui est en question, mais l'imaginaire de la justice tel qu'il détermine notre rapport à la loi et les différents affects qui le complexifient ou le contaminent. S'il est vrai en effet que le rapport à la loi n'est jamais purement rationnel, mais au moins autant affectif, et parfois même suraffecté, anxieux, angoissé, sinon anxiogène, c'est évidemment dans l'espace de ces affects, là même où il conduit jusqu'au désir ou à la folie de la loi, que la littérature trouve à faire du droit son objet. L'apport, alors, n'est pas négligeable. Dès lors que le rapport à la loi est un élément constitutif de la genèse de toute subjectivité, ou pour le dire encore autrement, qu'il y va avec ce rapport de la singularité de chacun, telle qu'elle est pour tous irremplaçable et insubstituable, c'est cette singularité que la littérature donne à connaître et qu'elle rappelle au droit. Mais il existe une seconde relation, plus proche de celle qu'on évoquait en rappelant parmi d'autres les noms de Rousseau et de Freud, qui est encore d'une autre complexité. Elle se construit donc autour d'une double incertitude, celle de l'origine de la loi et celle de la littérarité du texte littéraire. Ou encore, elle articule l'une à l'autre deux questions essentielles, celle de l'accessibilité ou de l'inaccessibilité de cette origine et celle de la possibilité du récit ou de son impossibilité qui prétend lui donner accès. Or, dès qu'on entre dans l'ordre de ces préfixes négatifs, l'inaccessibilité de la loi, l'impossibilité du récit, c'est encore l'œuvre de Kafka qui appelle en premier l'attention, placée qu'elle est sous le signe d'un double inachèvement et d'une double quête inaboutie.
Ceux des héros kafkaïens qui ne parviennent jamais à savoir d'où viennent les lois, les décrets, les raisons du jugement qui s'appliquent à eux, non sans violence, et ceux des récits qui, pour beaucoup d'entre eux, ne parviennent pas à leur fin. Pour autant, les récits de Kafka ne sont pas étrangers, davantage, à la première relation descriptive que l'on évoquait à l'instant. S'il est vrai qu'ils ont donné lieu, comme chacun sait, à de nombreux commentaires, ceux-ci se distribuent à tout le moins entre deux constellations réceptives qui recoupent ces deux grandes orientations. La première regroupe dans les années 1930 et 1940, marquée par la montée des fascismes en Europe, les politiques discriminatoires, l'exil, la déportation et l'extermination des Juifs d'Europe, les premières lectures de Hannah Arendt, Walter Benjamin ou Günther Anders. Le trait singulier de la constellation que dessinent ces premiers lecteurs est qu'ils ont en commun de lire, de commenter ou de préfacer les récits de Kafka alors qu'ils ont dû fuir leur propre pays, partageant avec K, le héros du château, cette situation d'étranger ou d'exilé qui expose celui qui l'a subi à vivre dans l'attente d'une décision manifeste qui lui reconnaisse le droit d'exister là où il est arrivé. Dans l'univers de Kafka, il découvre tour à tour la description ou la prophétie du cauchemar dans lequel l'Europe est en train de basculer, quand tout nouveau décret, toute nouvelle loi s'identifie à une menace pour la liberté et les droits fondamentaux. La seconde constellation, c'est un élément du dialogue franco-allemand, je pense, la seconde constellation, 40 ans plus tard, dans les années 1970 et 1980, rassemble une autre génération de philosophes de langue française. Gilles Deleuze et Félix Guattari, Jean-François Lyotard et Jacques Derrida, sans compter Maurice Blanchot, qui, des années 40 aux années 80, ne cesse de se retourner vers Kafka. Là encore, leurs différentes approches ne sont pas sans rapport. Elles ont toutes en commun de s'interroger à des titres divers sur la fonction politique de ces récits comme politique de la littérature. D'une façon plus générale encore, elles prennent appui sur les récits de Kafka pour penser l'essence ou la fonction de la littérature, là où celle-ci est inséparable d'une réflexion sur le droit. Mais ces deux grandes orientations, celles qui cherchent dans la littérature une description de notre relation, réelle ou fantasmée, à la loi et à l'appareil judiciaire, et celles qui s'interrogent sur la possibilité d'un récit donnant accès à la loi, à son origine ou à son fondement. Ces deux grandes orientations sont-elles rigoureusement séparables ? N'est-ce pas au contraire leur entrelac ou leur nœud que les récits de Kafka nous donnent à expérimenter et à penser ? À supposer qu'on en retienne l'hypothèse, il est au moins un texte qui le laisserait penser, le court récit intitulé « Devant la loi ». À plus forte raison, si l'on veut bien se souvenir qu'avant d'en être détaché pour constituer un récit publié à part, il appartient au procès. Vous connaissez bien sûr ce récit, il est raconté à K, en effet, par la bouche d'un prêtre, alors même que celui-ci soupçonne tous ceux qui s'occupent de son affaire d'avoir une prévention contre lui. Déjà dans le roman, ce récit donne lieu à ce qui s'apparente à une véritable exégèse talmudique, qui s'est depuis lors mondialisée, au point qu'on ne compte plus dans toutes les langues, non seulement les interprétations, mais les reprises, les réécritures auxquelles il a donné lieu. Dans les réflexions qui suivent, l'une d'elles retiendra plus particulièrement mon attention. Il s'agit de la lecture qu'en propose Derrida dans un texte intitulé « Préjugés ». Plus qu'aucun autre, il lui revient en effet d'avoir reposé à la lecture du récit de Kafka la double question qui nous retient, celle de l'accessibilité de l'origine de la loi et celle de la possibilité d'un récit littéraire qui lui donne accès, là où se joue, dans sa violence même, la tension paradoxale entre d'une part la généralité ou l'universalité de la loi et d'autre part la singularité absolue de celui qui en subit le joug. Donc l'histoire est connue, elle raconte l'attente d'un homme de la campagne qui, parvenu à la porte de la loi, se heurte à l'opposition du gardien qui lui en interdit l'entrée. Des années durant, il patiente, se heurtant au même refus chaque fois qu'il renouvelle sa demande.
Usé, vieilli, il finit par s'étonner d'être depuis si longtemps le seul à réclamer un accès à la loi, et il obtient la réponse suivante. Ici, nul autre que toi ne pouvait pénétrer, car cette entrée n'était faite que pour toi. Maintenant, je m'en vais et je ferme la porte. Il y va donc de l'accessibilité de la loi, ou plutôt de son inaccessibilité, du mystère ou de l'opacité de son origine, comme Derrida ne va pas manquer de le rappeler. Mais d'entrée de jeu, l'auteur de Préjugés pose également la question qui associe au questionnement de cette origine une interrogation sur la définition ou la circonscription de la littérature. Comme si les deux thématiques étaient en réalité indissociables. La double question serait donc la suivante, écrit-il, Derrida. Qui décide, qui juge, et selon quels critères, de l'appartenance de ce récit à la littérature? Ce n'est pas un hasard si on a commencé ici par citer la fin du texte. Ici, nul autre que toi ne pouvait pénétrer. Dès la première lecture, il apparaît en effet que si ce récit peut passer pour emblématique des relations entre droit et littérature, c'est en tant qu'il met en perspective le rapport paradoxal entre la généralité de la loi et l'absolue singularité de celui auquel elle s'applique. De la loi, peu de textes en effet ont montré, autant que ceux de Kafka, à quel point le rapport qu'on a avec elle s'inscrit singulièrement dans le corps de chacun, dans sa voix, dans ses gestes et ses postures, dans sa façon de se tenir droit ou penché, à l'image des silhouettes que dessinait l'auteur du procès. Loin d'être abstraite, étrangère à sa vie, elle appartient à son histoire la plus intime. Nul ne sait, au demeurant, quand cela a commencé et comment la loi s'est incorporée en lui. Tout juste, garde-t-on ici, de façon variable, le souvenir de quelques violences sous forme de contraintes disciplinaires, d'exercices imposés, de transgressions et de châtiments. Aussi bien cette incorporation reste-t-elle avec la conscience de notre finitude, la part la plus secrète de ce qui s'est imposé à nous, à notre insu. Pour autant, nul ne peut ignorer qu'il lui faut vivre avec sa vie durant. Car si l'origine du rapport à la loi reste indéterminée, son terme à tout le moins est connu. Cette durée longue, c'est le premier thème de Devant la loi. On ne sait quel âge a l'homme de la campagne lorsqu'il se présente à sa porte pour entrer dans la loi, mais on sait quand l'histoire se termine, au seuil de la mort. Aussi le récit, pourtant très bref, est-il ponctué de notations qui évoquent le temps qui passe, inexorablement, à attendre une réponse et une issue. Donc je cite quelques-uns de ces passages du récit de Kafka. Le gardien lui donne un tabouret et le fait asseoir auprès de la porte, un peu à l'écart. Là, il reste assis des jours, des années. Et puis un peu plus loin dans le récit. Des années et des années durant, l'homme observe le gardien presque sans interruption. Et puis encore plus loin, dans un récit pourtant très bref. Plus tard, se faisant vieux, il se borne à grommeler entre les dents, il tombe en enfance. Et enfin, à la fin du récit, à présent, il n'a plus longtemps à vivre. Avant sa mort, toutes les expériences de tant d'années accumulées dans sa tête vont aboutir à une question que jusqu'alors, il n'a pas encore posée au gardien. Il lui fait signe, parce qu'il ne peut plus redresser son corps roidi. Fin de citation. Car la loi, comme vous le savez dans le récit de Kafka, car la loi ne se laisse pas connaître et l'accès reste fermé. On ignore au demeurant de quel type de loi il s'agit. Loi de la nature, loi morale, loi juridique, loi fondamentale. Autant dire que sa généralité s'en voit redoublée. Il y a bien une loi, réelle ou fantasmée, qu'atteste la singularité du rapport qu'entretient avec elle l'homme de la campagne, mais on ne sait rien d'elle. Surtout le récit échoue à nous en apprendre davantage. Il ne rend pas la loi plus compréhensible. La seule chose qui soit à sa mesure, c'est de dire et de reproduire, de redoubler dans son écriture même l'inaccessibilité de la loi. Voilà donc le hiatus. D'un côté, la loi, dit le général, elle se veut universelle,
Elle est censée n'avoir que faire des cas particuliers. Elle n'a pas à tenir compte des aléas subjectifs de son incorporation, ni de l'énigme que constitue pour ceux auxquels elle s'applique son origine. De l'autre, le récit met en œuvre la singularité d'une attente, d'une demande, d'une inquiétude et d'une angoisse. Du récit, on pourrait s'attendre alors à ce qu'il apporte un correctif à cette généralité, en la mettant en rapport avec la singularité qui estime, elle, avoir le droit de savoir. Comme on pourrait s'attendre dans le procès à ce qu'il fasse enfin connaître à Joseph K. les raisons de son inculpation. Et dans le château, à l'arpenteur, la source et la logique des décrets qui régissent son arrivée si compromise. Ou encore dans la métamorphose, la cause effective de la transformation soudaine et imprévisible de Grégoire Samsa en cloporte. Mais il n'en est rien. Il doit bien y avoir, pour rendre compte de tous ces événements extraordinaires, une loi qui les explique et les justifie, de quelque nature qu'elle soit, naturelle, morale ou juridique. Mais plus cela semble usuel, banalisé, et pour finir admis comme ordinaire, plus il semble rentrer dans les mœurs ou leur avoir appartenu de tout temps, moins cette loi se laisse connaître. Plus on avance dans le récit, plus la perspective d'y avoir accès se perd aussi dans d'infinis détours. Voilà pourquoi, lisant devant la loi, Derrida souligne d'emblée comme le thème central du récit l'échec de la rencontre entre la singularité du rapport à la loi et l'essence générale ou universelle de cette même loi. Je cite ici Derrida, « Il y a une singularité du rapport à la loi, une loi de singularité qui doit se mettre en rapport, sans jamais pouvoir le faire, avec l'essence générale ou universelle de la loi. » Or, ce texte singulier, vous l'aurez déjà remarqué, nomme ou relate à sa manière ce conflit sans rencontre de la loi et de la singularité, ce paradoxe ou cette énigme de l'être devant la loi. Et il poursuit un peu plus loin, ce qui reste invisible et caché en chaque loi, on peut donc supposer que c'est la loi elle-même, ce qui fait que ces lois sont des lois. Inéluctables sont la question et la quête. Autrement dit, l'itinéraire en vue du lieu et de l'origine de la loi. Celle-ci se donne en se refusant, sans dire sa provenance et son site. Ce silence et cette discontinuité constituent le phénomène de la loi. Fin de citation. Si l'on se souvient des deux questions que l'on soulevait en commençant, ce qui doit retenir l'attention ici est la façon dont la question de l'accessibilité ou de l'inaccessibilité de la loi se révèle effectivement indissociable de celle de la possibilité ou de l'impossibilité du récit et en tout cas de son achèvement. Dans les années 1980, cette inaccessibilité est l'une des grandes questions sur lesquelles se concentre le travail de Derrida. S'il est vrai que depuis les trois grands livres publiés en 1967 de la grammatologie, l'écriture et la différence et la voix et le phénomène, sa pensée a pour objet la déconstruction d'un sujet prétendument souverain, ou pour le dire autrement, d'une identité assurée d'elle-même, cette déconstruction prend dans ces années-là une dimension plus ouvertement politique qui passe par la mise en évidence de ce que, à la suite de Montaigne, il appelle dans Force de loi le fondement mystique de l'autorité. Aussi est-ce dans cette perspective qu'il faut lire le commentaire de Devant la loi. Rien n'interdit en effet de comprendre l'impossible accès de la loi dans les récits de Kafka comme une autre figure ou plus exactement comme l'effet, chaque fois singulier, de ce fondement mystique. Ce qui fait en dernier recours que les lois sont des lois et que nous devons nous y soumettre, quelles que soient les raisons qu'on donne de cette soumission, voilà le fondement qui nous échappe toujours. Et ce n'est pas quoi qu'en disent les représentants de la loi, l'attachement à la patrie, la citoyenneté, le sens du devoir et toutes ces questions que le gardien de la loi pose à l'homme de la campagne avec indifférence, à la manière des grands seigneurs, qui y changent quelque chose. Quelles que soient les réponses qu'on leur apporte, celles par exemple qu'une philosophie du droit, une philosophie morale et un traité d'éducation du citoyen pourraient lui apporter, celles-ci ne résolvent en rien l'énigme de notre rapport à la loi. Surtout, elles n'épuisent en rien le désir d'en retrouver ou d'en reconstruire l'origine.
Comment se fait-il que la loi détermine ainsi le cours de mon existence, qu'elle l'encadre et la contraigne, dans des limites qui me dépassent, et que pourtant rien de ce que je fais, de ce que je pense et de ce que je ressens, rien de ce qui fait ma singularité propre, ne lui échappe. À qui en demanderai-je l'explication? Qui me rendra des comptes? Trois faits demandent alors à être articulés. Le premier est la résistance de la loi qui ne conserve son autorité catégorique qu'à garder secret son fondement. Pour la respecter, en effet, nul besoin de connaître son histoire. Au contraire, elle n'appelle en elle-même et par elle-même aucun récit qui pourrait venir conditionner ce respect. Il lui faut même se protéger de toute tergiversation historique qui pourrait contester cette autorité et la remettre en question. Nul besoin non plus de se retourner sur soi ni d'interroger son passé dans quelque vaine introspection. Nul ne sait, au demeurant, pour quelle bonne ou mauvaise raison, dans le récit de Kafka, l'homme de la campagne s'est présenté à la porte de la loi. Est-ce pour se donner un motif supplémentaire de s'y soumettre, ou pour apprendre à mieux se connaître? Est-on seulement certain que vouloir entrer dans la loi, comme dit le récit, est un vœu légitime? Et pourtant, le désir de percer à jour le mystère ou le secret de la loi est indéniable, peut-être même inéluctable. Et il perdure, nous dit le récit, la vie durant. Une vie durant. C'est pourquoi le second fait qui demande à être pris en compte est qu'il faut articuler à cette résistance et la pulsion généalogique qui en résulte. Voilà où nous en sommes. Il y a d'un côté la souveraineté de la loi qui ne se laisse pas approcher, qui ne demande aucune justification, qui n'a que faire des cas particuliers, qui tient à distance, on ne sait combien de gardiens la protègent, qui n'a de compte à rendre à personne. Et puis il y a en même temps le fait que personne au monde ne vit ainsi son rapport à la loi, que chacun même entretient avec elle, dans sa chair, une relation absolument singulière qui se traduit dans ses gestes et dans sa voix, dans sa parole et ses silences. Lui, l'homme de la campagne, veut donc savoir. Il n'y a rien qu'il ait davantage le désir de connaître. Il veut entrer dans la loi, la voir ou la toucher. Sa pulsion est irrésistible et elle ne disparaît qu'avec la mort. Parce qu'il y va de la vie, parce que connaître le secret de la loi apparaît comme le seul savoir qui pourrait enfin rendre la vie plus vivable. Est-ce une illusion, une folie, une hyperbole? C'est toujours ainsi, en tout cas, qu'il y va du rapport à la loi, à la vie, à la mort. Le troisième fait, alors, est la possibilité même de la littérature et de la langue qui s'y inventent. S'il est vrai que l'origine de la loi est inaccessible, qu'elle est elle-même la loi impérieuse, et qu'en même temps chacun est constitué au plus intime de lui-même d'un rapport à la loi absolument singulier, irréductible à toute catégorie sociale, ethnique, politique et même religieuse, à toute appartenance prédéterminée et à ce titre irremplaçable, alors une langue est appelée, cherchée, désirée pour combler ce hiatus. C'est-à-dire pour rendre droit au désir d'accorder la singularité de chacun et la généralité de la loi. Mais comment donner droit au singulier? Qu'est-ce qui fait la singularité du singulier? D'abord et avant tout, son histoire. Le singulier existe comme tel en se racontant. Voilà pourquoi il faut repartir d'un récit. Voilà pourquoi il faut partir d'un récit dans l'espoir qu'il finisse par parvenir au lieu d'où vient la loi. La loi qui reste pourtant, envers et contre tout, générale, c'est-à-dire qui continue de résister. Telle est la vérité que porte le récit de Kafka. Il est l'énoncé de ce difficile paradoxe. Un énoncé lui-même paradoxal, dès lors que le récit reste impossible. Pour qu'il prenne corps, pour qu'il réponde aux attentes qu'il suscite, il faudrait en effet au moins deux choses. Il faudrait d'abord que la loi devienne accessible. Il faudrait ensuite que la singularité de celui qui demande à entrer dans la loi trouve à se dire. Or, des deux côtés, cette épreuve de la singularité est mise en échec. La loi persiste à garder le secret de son fondement, et la singularité de celui qui se voue à la quête de l'origine
achoppe sur la généralité du langage. En d'autres termes, il se pourrait que le gardien de la loi ne soit rien d'autre que la langue elle-même. Que la langue elle-même qui ne dit que le général, en même temps qu'elle porte en elle la promesse impossible de rendre droit au singulier. Ce rapport entre la langue et la loi, Derrida l'a maintes fois souligné. Il y revient surtout dans un texte écrit une dizaine d'années après Préjugés, le monolinguisme de l'autre, dont il convient ici de rappeler le sous-titre, ou la prothèse de l'origine. Parmi les multiples thèmes qui font la trame de ce livre, il en est un en effet qui doit retenir notre attention. Il y a, nous dit Derrida, il y a toujours quelque chose de perdu, et même d'éperdu dans notre rapport à la langue. Habité à jamais de la nostalgie d'une origine introuvable, nous n'avons chacun qu'une langue, nous nous plions à sa loi, et en même temps, parce que cette loi nous est imposée par la famille, l'école, la société et l'ensemble des institutions qui régissent son apprentissage et ses usages, avec une violence relative et variable, cette langue n'est jamais la nôtre. Elle ne nous appartient pas. Elle vient d'ailleurs. Tous ces codes, les règles du bien dire et du bien écrire, la grammaire, l'orthographe, la rhétorique, sont d'un côté un élément constitutif du rapport que nous entretenons avec nous-mêmes et de l'autre, un joug que nous subissons. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de rapport à soi transparent qui puisse assurer l'ego de son identité. Nous sommes dans la langue, déracinés, exilés, étrangers à nous-mêmes, comme l'homme de la campagne l'est devant la porte de la loi. Et comme Kafka, à en croire ses journaux, avait si souvent le sentiment de l'être en société. Rien, en d'autres termes, ne nous garantit ou ne nous prouve que nous nous trouverons nous-mêmes dans ce que nous disons, dans ce que nous pensons, dans ce que nous croyons pouvoir être convaincus de penser et d'exprimer par nous-mêmes. Voilà pourquoi la question de notre rapport à la langue est indissociable de celle de la folie, comme l'est peut-être aussi celle de notre rapport à la loi. Trois formes de folie guettent l'impossible identification de l'ego, non pas devant la loi, mais dans et avec la langue, explique Derrida dans le monolinguisme de l'autre. La première, c'est la désintégration complète de l'identité. Un rapport à soi et à la langue tellement morcelé, tellement déstructuré, que la possibilité même de toute invention langagière singulière, celle-là même à laquelle Derrida donne le nom d'idiome, s'en trouve détruite. Une quasi-aphasie, donc, comme celle dans laquelle sombra Hölderlin dans sa tour abandonnée aux soins du menuisier de Zimmer, ou celle de Nietzsche gardée par sa sœur des années durant. La seconde forme de folie, quant à elle, ne s'avoue jamais comme telle. Loin de se penser dans ces termes, elle est convaincue au contraire de sa normalité, et rien sans doute n'est aussi fou et menaçant que cette conviction. Cette folie, c'est celle qui habite toute identification normative, y compris dans ce qu'elle peut avoir d'exclusif et de discriminant. Elle refoule le travail de la différence dans l'illusion d'une identité à soi qui est en même temps et intégralement celle de la collectivité à laquelle elle s'identifie. Cette folie, c'est celle à laquelle, à n'en pas douter, nous sommes le mieux préparés. Encore une fois, par la famille ou par l'école, comme par toutes les forces qui nous dictent leurs lois. Mais elle n'est pas non plus étrangère aux romans et récits de Kafka qui, après tout, ne racontent peut-être rien d'autre dans Le procès, Le château ou La métamorphose que la disjonction d'une intégration sociale, familiale, que surdétermine la relation au père, professionnel ou autre, dans un effroyable court-circuit de la loi, du corps et du langage. K, Joseph K, Grégoire Samsa, à l'image de Kafka lui-même, se distingue aussi par leur refus et désir mêlés, impossibles à concilier, de retrouver dans leur relation aux autres, aux autorités, par le biais de la langue, des explications, des justifications, des disculpations qu'elle est censée rendre possible, la normalité, l'intégration, la conformité qui leur échappe.
Et puis il y a cette troisième forme de folie qui définit peut-être l'une des vocations privilégiées de l'écriture, exposée à la quête d'origines introuvables, que Derrida décrit dans les termes suivants. Je cite « la folie d'une hypermnésie, un supplément de fidélité, un surcroît, voire une excroissance de la mémoire, engagé à la limite des deux autres possibilités vers des tracés d'écriture, de langue, d'expérience, qui portent un amnèse au-delà de la simple reconstitution d'un héritage donné, au-delà d'un passé disponible, au-delà d'une cartographie, au-delà d'un savoir enseignable. Il s'agit là d'une toute autre anamnèse et même d'une anamnèse du tout autre. Une anamnèse du tout autre. Pour peu qu'on arrive à comprendre ce dont il s'agit, il se pourrait que rétrospectivement on parvienne à saisir ce qui est en jeu dans le récit de Kafka devant la loi. À supposer donc que l'on reparte d'un point qui vient d'être établi, l'absence d'identification stable de l'ego par et dans la langue, c'est-à-dire par et dans la maîtrise, la possession, la disposition d'une langue qui serait nôtre, parfaitement nôtre, avec laquelle il nous serait toujours possible de nous trouver et de nous retrouver. À supposer encore qu'on ne puisse se reposer sur là, sur sa langue, pour répondre à la question « qui suis-je ?». Il faudrait pourtant admettre que chacun parle. Il faudrait admettre qu'il y a bien pour chacun une langue, la langue qu'il parle. Et même qu'il y a en réalité plus d'une langue. Chaque événement singulier, chaque perception, chaque émotion, chaque sensation, nous tentons en effet de les traduire dans une langue qui leur soit appropriée, c'est-à-dire qui rendent droit à ce qui fait de leur arrivée, de leur irruption, leur éblouissement ou leur surprise, dans le secret de leur rencontre, un événement singulier. Il nous faut autrement dit à chaque fois trouver dans la langue, avec la langue, une singularité langagière, non pour rendre droit à notre propre singularité, mais pour le rendre ce droit à celle de ce qui arrive et qui fait événement. Voilà pourquoi Derrida peut écrire de façon paradoxale qu'il n'y a dans ce monolinguisme qui est le nôtre que des langues d'arrivée. Voilà pourquoi il y a de la pluralité à l'arrivée. S'il n'y en avait pas, si nous postulions à l'avance qu'il ne doit pas y en avoir, que c'est une illusion de penser qu'il devrait y en avoir, nous serions d'emblée au bord de cette autre folie, celle de l'intégration qu'on évoquait à l'instant. La folie de la maîtrise et possession souveraine d'une langue de départ qu'aucune expérience ne viendra bousculer. Notre langue ne se plierait jamais à ce qui lui arrive, comme si tout déjà avait été dit depuis toujours et que tout était indéfiniment programmable et prévisible. De la violence qui en résulterait, on connaît l'imaginaire qui est celui d'une hyper-normativité du langage. Il hante les fables du totalitarisme le plus implacable, comme « Nous autres » de Evgeny Zamyatin ou « 1984 » de George Orwell. Mais pour peu qu'on admette ou qu'on reconnaisse qu'il n'y a pas de langue de départ unique, établie une fois pour toutes, il ne reste effectivement que des langues d'arrivée, mais d'une arrivée qui reste indéfinie, qui ne parvient pas à son terme, comme dit Derrida, qui n'arrive pas à s'arriver. Pourquoi ? Sans doute est-ce là le point le plus décisif ou le plus nodal qui nous rappelle que le terme, la fin, l'achèvement sont impossibles. Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas de folie de la langue, mais des programmes qu'elle remplirait et qui reviendraient à chaque fois à la même chose, la réduction au même. Ce qui fait au contraire la folie de la langue, c'est l'irréductible transcendance de ce qui lui arrive, de ce qui vient à elle. Chaque fois que nous parlons ou que nous écrivons, nous faisons l'épreuve de cette transcendance, nous éprouvons l'irréductible altérité de ce qui arrive. Et il n'y a pas d'ipséité, il n'y a pas de rapport à soi hors de cette épreuve. Il n'y a pas d'ipséité qui ne se constitue en dehors du désir de rendre droit à cette altérité, là où, de fait, il n'est pourtant jamais possible d'y parvenir. Tout se passe donc comme si la constitution de l'ipséité, inachevable, était toujours en suspens, suspendu au désir d'inventer une langue pliée à la promesse d'une langue à venir.
Ainsi s'impose à chacun l'invention de sa propre singularité dans la langue. Qu'en est-il maintenant de la relation au droit ? Qu'en est-il de l'homme de la campagne ? Si sa station devant la porte s'apparente à une forme de folie, de quelle folie s'agit-il ? Le récit de Kafka, on l'a dit, combine deux inaccessibilités de la loi. Celle de l'homme qui se tient à sa porte et auquel le gardien interdit l'accès, et celle du récit lui-même qui ne la rejoint pas davantage. Ainsi, le récit est-il à la fois possible et impossible, lisible et illisible, nécessaire et interdit ? Ou plutôt, comme la plupart des textes de Kafka, sa possibilité et sa lisibilité ne vont pas de soi. Elle résiste, comme la loi résiste à celui qui voudrait la voir et la toucher, entrer en elle de façon directe et immédiate, sans détour. Ce que le gardien sait, que l'homme de la campagne ignore, c'est qu'il n'en va jamais ainsi, pour personne. Et que la loi, comme tout texte, demande à être déchiffrée par chacun, de façon absolument singulière. Elle appelle, comme tout récit, l'invention impossible d'une langue qui la déchiffre. Derrida le souligne avec force, je cite ici à nouveau un passage de Préjugés. La lecture peut en effet révéler qu'un texte est intouchable, proprement intangible, parce que lisible, et du même coup illisible, dans la mesure où la présence en lui d'un sens perceptible, saisissable, reste aussi dérobée que son origine. L'illisibilité ne s'oppose plus alors à la lisibilité. Et peut-être l'homme est-il l'homme de la campagne en tant qu'il ne sait pas lire. Ou que sachant lire, il a encore affaire à de l'illisibilité dans cela même qui semble se donner à lire. Il veut voir ou toucher la loi. Il veut s'approcher d'elle, entrer en elle, parce qu'il ne sait peut-être pas que la loi n'est pas à voir ou à toucher, mais à déchiffrer. C'est peut-être le premier signe de son inaccessibilité ou du retard qu'elle impose à l'homme de la campagne. Fin de citation. C'est dans cette invention seule, celle d'une langue qui déchiffre, que le hiatus entre la généralité de la loi et la singularité du rapport que chacun entretient avec elle redevient vivable. Il ne sera pas comblé pour autant. Et c'est en cela que le récit, pourtant possible et nécessaire, reste in fine impossible et interdit. Mais au moins, ce sera-t-on promis de rendre possible l'impossible, avec la certitude que toute démarche inverse aux portes de la loi conduit plus sûrement au bord de l'effondrement. Si l'on veut bien se souvenir des trois formes de folie que rétrospectivement le monolinguisme de l'autre nous a permis d'identifier, il apparaît en effet qu'aucune des deux premières n'est absente du récit de Kafka. La première d'abord, cette destruction complète de la subjectivité qui conduit progressivement au silence ou précipite plus brutalement dans l'aphasie, décrit très précisément ce qui arrive à l'homme de la campagne, dont on n'a peut-être pas suffisamment souligné le rapport au langage tel qu'il évolue au fil des années passées aux portes de la loi. Souvenez-vous. D'abord, il fatigue le gardien de ses prières. Puis, il maudit sa malchance sans égard et à haute voix. Ensuite, se faisant vieux, il se borne à grommeler entre ses dents. Il tombe en enfance. Il reste alors prostré, silencieux. Seul un dernier sursaut lui rend la parole pour qu'il pose son ultime question. Si chacun aspire à la loi, comment se fait-il que durant toutes ces années, personne d'autre que moi n'est demandé à entrer. Épuisé, anéanti, il rejoint alors le cortège de tous ceux que la loi, inaccessible et impérieuse, aura brisé de l'intérieur. Pour autant, la seconde forme de folie que décrit Derrida n'est pas moins présente dans Devant la loi. Elle se traduit par cette soumission, cette résignation, cette acceptation des codes et des règles, leur incorporation passive, qui sont autant de façons de vouloir à tout prix entrer dans la loi afin de ne faire plus qu'un avec elle. Elle consonne avec celle de K dans le procès et celle de l'arpenteur dans le château, auxquelles les premiers lecteurs de Kafka furent si sensibles et que certains, comme Günther Anders, allèrent jusqu'à lui reprocher. Elle guette en réalité toute vénération, toute sacralisation de la loi.
Reste alors cette excroissance de la mémoire qui engage, nous dit Derrida, au plus près des deux autres formes de folie, dans leur voisinage et leurs menaces, comme en témoigne le destin de Hölderlin, celui de Nietzsche ou celui d'Artaud, vers ces tracés d'écriture, de langue, d'expérience qui portent l'anamnèse. Je cite, donc, vers ces tracés d'écriture, de langue, d'expérience qui portent l'anamnèse, c'est-à-dire la quête de l'origine, et notamment de l'origine de la loi, au-delà de la simple reconstitution d'un héritage donné, au-delà d'un passé disponible, au-delà d'une cartographie, au-delà d'un savoir enseignable. Elle relève d'une injonction qui aurait pu accompagner la dernière réponse du Garien. S'il n'était trop tard et s'il n'avait dû fermer la porte, cette entrée n'était faite que pour toi. Pourquoi ? Cette entrée n'était faite que pour toi. Pourquoi ? Parce qu'elle exigeait de la part de celui qui frappe aux portes de la loi un déchiffrement, une invention singulière, un tracé d'écriture, un récit peut-être. Aussi, cette injonction s'adresse-t-elle également au récit lui-même en tant que récit impossible de l'impossible. Là où l'homme de la campagne réclame une entrée immédiate dans la loi, le récit, par ses voies détournées, tente en vain de trouver un accès, de faire l'impossible, de rendre possible l'impossible. Derrida le rappelle, et je cite encore une fois, d'une certaine manière, vor dem Gesetz, devant la loi. Et le récit de cette inaccessibilité au récit, l'histoire de cette histoire impossible, la carte de ce trajet interdit. Pas d'itinéraire, pas de méthode, pas de chemin pour accéder à la loi, à ce qui en elle aurait lieu, au topos de son événement. Ces voies, quelles sont-elles ? D'abord, il faut le rappeler, le parti d'en rire. Du récit de Kafka, on aurait tort, en effet, de tenir pour négligeables les ressorts comiques et les marques d'humour qui sont, à n'en pas douter, une façon parmi d'autres de vivre avec l'interdit de la loi. Il y a d'abord, on s'en souvient, la description caricaturale du gardien qui fait songer au portrait d'Ivan le Terrible, dans son manteau de fourrure, avec son nez pointu, sa barbe de tartare, longue, maigre et noire. Il y a ensuite la requête adressée aux puces. Comme à force d'examiner le gardien pendant des années, il a fini par connaître jusqu'aux puces de sa fourrure, il prie les puces de lui venir en aide et de changer l'humeur du gardien. Il y a peut-être enfin la différence de taille inversée à la fin du récit. Rire de l'inaccessibilité de la loi, rire et faire rire d'elle en la racontant dans un récit auquel il est impossible de garder son sérieux devant cette même loi, aussi souveraine, aussi majestueuse, aussi impérieuse et mystérieuse soit-elle, c'est déjà échapper aux deux formes de folie qu'on relevait à l'instant, la paralysie aliénante et l'incorporation aveugle ou son fantasme. Mais surtout la voie première, celle que toute l'œuvre de Kafka peut-être, les récits, mais aussi les journaux et la correspondance permettraient d'exemplifier, c'est l'écriture elle-même, l'écriture comme ajournement. Sans doute, il revient au gardien d'intimer à l'homme de la campagne l'épreuve d'un accès indéfiniment différé à la loi. Mais cette inaccessibilité, c'est d'abord le récit qui lui donne forme. Ce qu'il produit, comme les contes de Scheherazade dans Les Mille et Une Nuits, ce n'est rien d'autre en effet que la mise en œuvre ou la mise en langue de la différence. Comme si c'était là au fond la raison de toute écriture. Comme si l'impossible anamnèse de l'origine nous vouait à différer indéfiniment sa rencontre dans et par l'invention d'une langue et la reprise d'un récit qui sont autant de suspensions du rapport à la loi. Ou du moins, de toute relation à elle qui se voudrait directe, immédiate, frontale. Oui, il se pourrait bien, au bout du compte, que ce soit là, dans ce lieu improbable qu'on appelle la littérature, que ce nous, là où elles font le creuset de toute singularité, notre relation à la loi et notre relation à la langue. Je cite une dernière fois Préjugé, car la loi est l'interdit. On ne peut arriver jusqu'à elle et pour avoir rapport à elle selon le respect. Il ne faut pas avoir rapport à elle, il faut interrompre la relation, comme le fait le récit. Il faut n'entrer en relation qu'avec ses représentants, ses exemples, ses gardiens. Et ce sont des interrupteurs autant que des messagers. Il faut ne pas savoir qui elle est, ce qu'elle est, où elle est, où et comment elle se présente, d'où elle vient et où elle parle.
Fin de citation. Il n'est donc pas surprenant qu'in fine, Derrida attribue cette différence de la loi à une folie. Un rire, une folie, mais peut-être aussi un désir subversif. Un désir subversif. Car ce que le récit oppose à la langue de la loi, c'est d'abord et avant tout la singularité de son idiome, telle qu'elle se donne en partage à tous ceux qui l'entendent. C'est même, pour le dire plus précisément sans jouer sur les mots, la loi de cette singularité. Voilà où réside la subversion. La littérature impose sa loi, qui devant la loi la met hors la loi. Elle résiste à la résistance de la loi dans et par l'invention répétée de son idiome. Il n'y a pas d'autre issue. C'est ce qu'ignore l'homme de la campagne, auquel, ultime violence, elle reste fermée. Voilà, je vous remercie.